En entrevue, tu sais, quand le monde vient chercher l'information, t'as Sonia à côté de moi qui fait Salt Lake version Salt Lake, t'as Mario Daniel qui fait la version Salt Lake Snowbird, puis moi je fais la version Park City. Fait que t'as la version aventurière, la version, tu sais, doux confort de Mario, puis moi je fais la version soft. Fait que je fais la version qui est un peu, le monde va pouvoir être libre de faire ce qu'ils veulent, partir à l'heure qu'ils veulent, faire la montagne qu'ils veulent. Toujours aussi veulent skier avec le guide, aucun problème. T'sais, moi, j'offre, je détermine la journée, qu'est-ce qu'on va faire. On est skier avec moi. Sinon, ben, il y a deux journées qu'on sort pour lever le niveau d'un cran. Oui, vraiment des montagnes. Là, tu prends Deer Valley, on va être vraiment à la station UP, beaucoup plus relax. Le monde va pouvoir vraiment s'adonner au plaisir du carving. Park City est la version un petit peu plus jeune. Tu vas voir Sean White, les grandes vedettes qui vont s'entraîner là, justement, dans le parc. Et tu as la version qui est backbowl en arrière, qui est plus extrême. Le monde va pouvoir aller s'exercer un peu plus. Puis tu as The Canyon, ce qui est, comme je dis, un peu la station mal aimée de ce petit triangle-là. Parce que The Canyon, c'est un petit peu notre Sutton, notre massif, comme tu connais, tu sais, là-bas. Fait que c'est, les gens UP n'aimeront pas Canyon là-bas. Donc, c'est la station que, deux jours après une tempête, on va tresser encore amplement là-bas. C'est ça qui est plaisir. Très historique. C'est un ancien village minier qui a vraiment eu une histoire minière, OK? Qui, après ça, bon, est en train de devenir fantôme. Puis est venue l'histoire du ski. C'est les stations de ski des années 60. Puis est redevenu, a repris ses lettres de noblesse. Puis suite à ça, bien, il y a eu le festival, justement, le Sundance. Donc, les vedettes ont commencé à affluer et ont commencé à s'intéresser à s'établir là, tout ça. Fait que de là, l'intérêt du guide à aller chercher l'histoire, aller chercher plus que le voyage de ski. Moi, une de mes premières priorités de pourquoi le monde vient de skier avec moi, puis moi en tant que guide, qu'est-ce que je dois? OK, oui, un plaisir de ski incomparable, de réussir à ne pas perdre de temps, de faire les meilleures yens, de faire les meilleures pistes de la journée, mais d'aller chercher plus. Il faut qu'il y ait la petite étoile. Il faut que 10 ans après, là, il leur parle, hey, je suis allé à Park City avec Denis Lacoutière. Mais regarde, on a fait ça. Puis ils s'en souviennent. Ils ont encore la petite lumière dans l'œil. C'est ça, la job d'un guide. Village de caractère, Park City? Oui, oui. Mais bien fun. Village minier, village western. Tu peux te promener dans tous les styles. Tu peux aller autant à manger, autant à l'isker qui va d'être incroyablement huppé, mais tu sais, tu peux y aller en groupe, puis tu vas être bien reçu. Service incomparable. Quand tu dis qu'ils servent les assiettes, là, puis ils dansent en servant les assiettes, tout est coordonné. Si tu es 8 à la table, il y a 4 serveurs. Il y a un serveur pour 2 personnes. Okay? Lorsqu'ils arrivent avec les plats de service, bien, tout le monde se regarde, toutes les assiettes descendent en toutes coordonnées. Ça, c'est merveilleux. Puis tu vas aller au petit pub local, que là, tu vas aller écouter un game de football, prendre une bière directement parce que c'est une microbrasserie. Ben, tu vas prendre carrément la bière locale, tu sais, avec les locales. Tu vas être imprégné de, tu sais, vraiment l'âme du village. Fait que c'est les deux extrêmes complets.